שיעור יהיה לעילוי נשמת ז'וזיאן סילבה ביה בת ארלט זייר. תהיה נשמתה צורה בצרור החיים. יהודי כמסע. ואמר פרעה לבני ישראל, פרעה עדי או פבל די ישראל. מלו פבל די ישראל יש לנו שעשורתי. הכי ידי. רגרדי. נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. Il leur a fait encore une fois la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Il leur a dit, vous êtes Nevochim, c'est quoi? C'est quand quelqu'un ne sait pas prendre une décision, d'abord. Nevochim en Baaretz, ça veut dire qu'ils étaient troublés. Et qu'est-ce qu'il leur a fait? Il les a mis dans un doute. Et il faut savoir que des fois, les gens nous mettent dans un doute de loin. C'est vrai. Et c'est beaucoup plus dangereux que d'être dans un doute de proche. Comment il Pourquoi faut... ouais. Je vais vous dire. Ça s'appelle le chantage au sentiment. Chantage affectif. Maintenant, nous avons une personne qui habite en Amérique. Nous avons une maman qui habite à Paris. Et la maman, elle est toute seule. Elle n'a pas de famille, elle n'a rien du tout. Et maintenant, c'est une maman et ses enfants, ils sont en Amérique. Ça veut dire que la maman a un certain âge et les enfants aussi un certain âge. Alors pourquoi la maman utilise l'outil du chantage affectif pour avoir l'attention de ses enfants? Très grande question, très profonde. C'est vrai. Et malheureusement, comme dans les années 70-80, il y a une épidémie qui continue jusqu'à maintenant, c'est l'épidémie du divorce. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens seuls. Seuls, seuls, seuls. Et à la fin, quand ils ont pris leur force, ils ont pris leur décision et tout ce que vous voulez, à un certain âge, on est avec quatre murs et on n'est pas tellement content. Vous savez, ceux qui restent en groupe, c'est eux les vrais héros. Pourquoi? Les héros de la vie. C'est les gens qui ont surmonté. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais être tout seul, c'est un problème encore plus grand. Renforcer l'union de la famille. C'est un travail. C'est pas facile, il y a des caractères, il y a des enfants. Je sais que tout est difficile. Mais c'est le travail de vie. Et la question est, est-ce qu'après qu'on se sépare, c'est facile? On est seul, c'est facile. Des fois, c'est encore plus difficile. C'est différent. C'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est parce que tu as peur. Parce que tu es tout seul. Parce que tu te lèves le matin et personne ne fait attention à toi. C'est pas agréable de se lever le matin et personne ne fait attention à toi. On veut que quelqu'un nous donne de l'attention. Alors ma mère se dit maintenant dans son... Alors tu peux téléphoner à ta maman tous les matins si tu veux pas qu'elle se réveille toute seule. Ce serait pas une mauvaise idée. Et ça, ça s'appelle Nevochim. C'est quoi Nevochim? Quand on fait rentrer quelqu'un dans un doute du sentiment. Et la preuve, comment on sait que Paro, Pharaon a réussi? Tout de suite après qu'ils ont passé la mer, ils ont vu un miracle, plus qu'un miracle, des murs d'eau. Et des fruits, et du marbre, c'est immense. Et ils ont pris toute la richesse, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'ils disent à Moshe Rabbeinu? Ah, tu nous as emmené mourir ici, dans le désert, c'est pour ça que tu nous as fait sortir d'Égypte. On préfère aller chez Pharaon, manger des oignons et des je sais pas quoi, là, ils ont demandé, que d'être avec toi ici dans le Midbar. Mais dans le Midbar, ils avaient le man. Le man, c'est le manger des anges. Ils avaient à manger que c'était un manger surhumain. Et comment eux, ils ont demandé de retourner être esclaves chez Pharaon? C'est une question là. Mais qu'est-ce qu'ils vont retourner être des esclaves? C'est pour ça que beaucoup de fois dans la vie, on a dans notre chemin des croisements. Et dans ces croisements-là, on doit choisir, à droite ou à gauche. À droite, c'est la liberté. À gauche, c'est demi-tour à l'esclavage.
Et qu'est-ce que les gens choisissent? Le mauvais chemin. Ce qu'ils connaissent. Les gens ont peur de l'inconnu. Ils préfèrent ce qu'ils connaissent. Malgré que ça va les mettre dans un état d'esprit d'esclavage comme ils connaissent. Et nous, dans notre Torah, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit toujours ce qu'on ne connaît pas. On choisit toujours le Hitratchou. C'est pour ça qu'on a même une bracha qui s'appelle Shechianu. C'est une bracha pour tout ce qui est nouveau. D'accord? Alors on a maintenant un peuple qui sort d'Égypte. Et il arrive, ce peuple-là, dans un quoi? Une jection. Croisement. Il a devant lui la mer. Il a à côté de lui, des deux côtés, le désert. Et Pharaon qui arrive avec toute l'armée, il est écrit dans les livres qu'il a payé beaucoup, beaucoup d'argent, il arrive avec une armée entière. Il paraît qu'il y avait le nombre d'hommes qui pouvaient être soldats d'Israël. Il y avait sur un comme ça, il y avait un cheval, une calèche, deux soldats, tant et tant d'hommes. C'était vraiment un devant l'autre. Maintenant, il y a la question. Qu'est-ce qu'on fait? La solution la plus logique est, bon, eux ils viennent avec l'armée et la force, je me plie et je retourne en Égypte, j'essaie de me sauver, je vais recevoir un peu de coups, de manière à me sauver, et je vais retourner à ce qui est habituel à moi. Et il y a une autre option qui est, aller au devant. Je vais marcher dans l'eau. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il rentre dans la mer? Qu'est-ce qu'il croit qu'il va se passer? Et maintenant, on en a deux. Il y a Pharaon et il y a Moshe Rabbeinu. Pharaon, qu'est-ce qu'il leur envoie pour comme message? Il envoie des messages. Il y avait un mur entre eux, mais il envoie les messages. Il leur dit, mais vous êtes fous, je vais vous tuer dans 2 minutes. Qui va vous protéger? N'empêche qu'il n'arrivait pas avec l'armée à approcher le peuple d'Israël, parce qu'il y avait un mur de quoi? D'anges qui séparait les deux. Mais le peuple d'Israël, malgré qu'ils avaient tous des chameaux avec plein de richesses, ils ont volé l'Égypte. Il faut dire quand même. Ils se sont payés. On va dire ce qu'on veut, mais ça s'appelle Bizat Mitzrayim et pas le paiement de l'Égypte. Et ils sortent avec tout ça. Et maintenant, imaginez-vous, des gens avec tellement de force et d'or, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent tout petits. Et ils n'ont plus la foi ou le cœur. Gvoura, ça s'appelle. Ça s'appelle Azoud de Gdusha. C'est quoi Azoud de Gdusha? Quand quelqu'un il a l'audace de la Gdusha, de dire quoi? Non, j'accepte pas à reprendre mon ancienne vie. Je veux pas. Je veux vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qui est la liberté. C'est pour ça qu'il est écrit que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour être un peuple libre. Et nous sommes, Baruch Hashem, avant Purim. Et Purim, c'est la deuxième délivrance. Et après, on va aller vers Pessah, que c'est la première délivrance. Et on voit qu'on rentre maintenant dans une période que toutes les 2 semaines, nous avons une fête. On a eu Tu Bishvat, Achakar Rosh Chodesh. Après 2 semaines, on va avoir Purim. Après Rosh Chodesh. Après 2 semaines, on va avoir Pessah. Et après Rosh Chodesh. Et on rentre dans une période que Baruch Hashem, les femmes disent on rentre dans l'esclavage, hein, du nettoyage et faire le manger et tout. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils disent? On rentre dans la liberté. On peut sortir. C'est quoi sortir d'Égypte? Sortir d'Égypte, ça veut dire sortir de quoi? De ses habitudes. La routine. Quelle sorte d'habitude? Les habitudes qui me transforment en esclave aux habitudes. La peur, les gens, les voisins. Vous savez, il y a des choses que les gens font. Ils disent, oh, il va crier sur moi. Qui va crier sur toi? Le voisin, tu l'as vu? Ça fait un an, tu ne l'as pas vu. Comment il va crier sur toi? Non, sûrement il va crier sur moi. Le voisin, il ne sait même pas que l'autre, il a peur de lui. Alors, qui se fait du mal? Nevochim em ba'aretz. C'est nous-mêmes qu'on se fait du mal. Regardez, il est écrit. Sagar alem, nevochim em. Lo ani, mevichotam.
Il devait être écrit, « Vemer paro l'ebne Israël, ani mevichotchem. » Il dit, eux-mêmes, d'eux-mêmes, ils ont eu 210 ans d'esclavage, leur programme est esclave. Donc, eux, ils vont faire quoi? Ils vont se soumettre à moi, Pharaon, et je vais les récupérer comme ça. Azomer po vechizak tietlev paro. Et maintenant, il y a l'intervention divine qui dit, moi, Kadosh Baruch Hu, j'ai renforcé le cœur de Pharaon, veradaf achreem, et c'est pour ça qu'il a eu, malgré les 10 coups qu'il a reçus en Égypte, il n'a pas compris encore que Kadosh Baruch Hu, il est là, toute Égypte a été détruite, c'est un empire immense, c'était, a été détruit complètement. Jusqu'aujourd'hui, l'Égypte n'arrive plus à se... Elle n'arrive plus à se remonter, ça fait des milliers d'années. Veikabda befaro ou bechol chelo, veidou mitzraim kani Hashem et asuchem. Qu'est-ce qu'il veut à Kadjoubou? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé le cœur de Pharaon. De quoi? D'harceler le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël sache qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Comment dire en anglais? Vous savez, il y a des anglais modernes aujourd'hui. Talwid. Il nous a mélangé tout. Qu'est-ce qu'ils veulent? Si tu as frappé Paro, d'accord, on a compris que tu as frappé, ça y est, tu as détruit l'Égypte. Non. Pharaon va avoir la force et l'audace de vous poursuivre pour prendre quoi? Pour prendre tout l'or et l'argent et les esclaves. Alors on voit que l'être humain se fait manipuler et on se pose la question, est-ce que la personne qui manipule est un manipulateur ou bien la personne qui se fait manipuler demande à être manipulée? Hier j'avais chez moi un couple, une dame très gentille, mais toute seule, française, toute seule. Alors la personne est venue me voir. Et elle était avec un monsieur. Et elle pleure. Je ne peux pas vivre sans lui. Sans ce monsieur? Et le monsieur lui dit, arrête d'être dépendant de moi. Tu veux que je revienne avec toi, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tout est avec des... Je te donnerai ma vie et je t'adore et tu es mon prince et tu es mon... Ça s'appelle en anglais overmarketing. Trop de quoi? De ventes, trop de d'appels, trop de... Pourquoi? Si tu crois en toi et lui il te dit oui, je t'aime, ça suffit. Ça y est, on... Tu es mon air, tu es mon... Alors je lui dis, écoute madame, moi je suis prêt à faire des efforts pour vous remettre ensemble, mais pas comme ça. Maintenant on se pose une question. Elle est manipulée ou elle se fait manipuler? Elle se fait manipuler. Pourquoi elle se plaint que son ex-mari, 25 ans, il l'a manipulé? Il y avait un vide. Il y avait un vide dans la personne et ça a permis la manipulation. Donc la question est, est-ce que la personne veut être manipulée? Ben oui. Ou la personne veut être libre? Elle pleure et elle dit, j'ai aucune vie sans lui. Oui, parce qu'elle ne sait pas qu'il y a un vide en elle. Non, mais la question que je pose, c'est, est-ce qu'elle veut être manipulée ou moi? Je vais vous dire la vérité. Je lui dis, madame, enlève ce mot de manipulation. Tu as besoin d'être aimé et câliné par quelqu'un. Non, c'est pas honteux. Pourquoi c'est devenu de la manipulation et narcissiste et narcissiste? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, ce mot-là, dernièrement, toutes les femmes qui viennent parler avec moi me disent, il est pervers narcissiste. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un nouveau mot qui va très bien dans Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Un homme qui fait du charme à une femme et qui l'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, aujourd'hui, c'est devenu honteux. Tu sais, mon mari, il y a des divorces encore en France. C'est devenu une épidémie. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais il a tous les symboles d'un pervers narcissique. Je lui dis, il a des symboles, il t'aime, il t'achète des trucs. Oui,
il essaie de te séduire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ton mari? Qu'est-ce que tu veux qu'il... Alors, comment on fait? C'est très simple. Laisse-toi faire. On accepte. Toujours dans les couples, il y a un qui est plus dominant que l'autre. Mais dedans, c'est l'inverse. Ouais. Celui qui est faible à l'extérieur, il est fort à l'intérieur. Celui qui est fort à l'extérieur, il est faible à l'intérieur. C'est yin-yang, c'est l'accouplement total. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, mes enfants, qui sont les enfants de Yaakov et Israël, je ne peux pas admettre et accepter que Pharaon soit leur Dieu. Bien sûr. Là, il y a une intervention. Quelle intervention l'être humain a? Tout d'un coup, on a un réveil. On a un réveil. Un jour, on se dit, oui, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Ta vie était bien, tout allait bien. Tout d'un coup, la personne se réveille et elle se révolte. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Changer. Elle veut changer. Qu'est-ce qui fait le conjoint? Il veut posséder. Il ne veut pas que ça commence à partir dans tous les sens. Hein? Maintenant, on se pose la question. Est-ce que la personne qui s'est réveillée est obligatoirement une personne qui doit se révolter ou pas? Non. Non, pas se révolter. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir faire dans la vie, c'est quand on a un enfant ou une femme ou quelqu'un autour de nous qui se réveille, sa conscience s'éveille. Au lieu de se paniquer et étouffer la personne, essayer de vraiment la saisir par force, laisse-la grandir. Pourquoi? Parce qu'elle va évoluer et tu vas évoluer. C'est quoi ça? C'est le cadre et le papillon dans le cadre. Vous savez, quand on a une cage avec des oiseaux, on sait que si on veut que les oiseaux grandissent physiquement, on doit grandir la cage. Maintenant, la question est-ce que l'oiseau grand va faire qu'on va agrandir la cage pour lui? Ou bien, en agrandissant la cage, on va agrandir l'oiseau? Non. C'est la question. Et la réponse est très simple. Plus la case sera grande, plus l'oiseau va grandir. Mais pour agrandir une cage, qu'est-ce qu'on fait à l'oiseau? On l'attrape, on le met dans une toute petite cage, on lui construit une belle grande cage, et après, on le met. Mais vous savez qu'est-ce que font la plupart des gens quand ils sont des processus d'évolution dans leur vie? Ils décident à être malades, à mourir, à faire du chantage aux sentiments. Ils ne comprennent pas qu'il y a une évolution qui se met et ils vont grandir. Le peuple d'Israël dans cette paracha, exactement la même chose. Ils sont quoi? Ils sont dans un endroit étroit. D'un côté la mer, d'un côté les Égyptiens. Donc, et les Égyptiens, ils ne sont pas venus en paix. Ils sont venus à la guerre, ils sont venus pour tuer. Il est écrit que toute la nuit, ils ont envoyé des flèches. Et le nuage qui était des anges, il écrit qu'il a tellement de flèches qu'il a saigné. Comment les anges saignent? Mais ils ont protégé le peuple d'Israël. Donc, la vérité, quand on étudie la science de l'âme, la vérité est qu'on doit permettre l'évolution, l'agrandissement du cadre, pour nous évoluer dans ce cadre magnifique. Beaucoup, beaucoup de personnes, surtout dans ces années-là, quand la jeunesse est tellement loin des parents, vous savez, la conscience de la jeunesse avec tout ce qui est internet, tout ce qui est iPhone, tout ça, ils grandissent, les parents d'avant, les anciens, ils n'ont pas le cadre, ils ne suivent plus, ils peuvent plus. On ne peut pas. Alors moi je dis aux parents, laisse, ouvre la porte, ouvre les fenêtres, parce que si tu as aimé ton fils ou ta fille ou ton mari, il sera toujours attaché par le cœur. Toujours. Et si tu lui permets de grandir, eh bien tu vas suivre et tu vas t'adapter à la nouvelle mesure. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël.
N'ayez pas peur. Vous imaginez de qui? De l'empire de la génération. De quoi on n'a pas peur? De Pharaon, malgré que l'Égypte a été détruite, encore tout le monde avait peur de l'Égypte. C'était la puissance mondiale. Et un petit peuple qui se sauve. Et à Kadosh Baruch Hu leur dit, voilà, ils sont là, regardez-les. L'autre aussi, Fulirotamot, mon cher Rabbeinu leur dit, vous n'allez plus rencontrer l'Égypte, c'est fini. Comment? Quand vous allez rentrer dans l'eau. C'est quoi rentrer dans l'eau? C'est prendre un chemin dans une dimension que personne n'aurait cru comprendre. Mais regardez ce qui s'est passé. Les Hébreux sont rentrés dans la mer. Et qui les a suivis? Les Égyptiens. Ça veut dire que même qu'ils ont ouvert la mer n'était pas ouverte seulement pour les Hébreux. Puisque les Égyptiens, ils sont rentrés après eux. Après, il est écrit que la mer s'est renfermée, s'est renfermée, jusqu'à que le dernier Hébreu sorte et le dernier Égyptien reste dans l'eau. Mais eux aussi sont rentrés dans l'eau. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a eu un grand miracle pour les Égyptiens qu'ils ont traversé l'eau? Parce que c'était déjà sec. C'est pas eux qui ont ouvert la mer. Non, mais ils sont rentrés dans l'eau. C'est qui ont ouvert la mer? C'est les Juifs. Pour eux. C'est le peuple d'Israël qui a ouvert. En rentrant dedans, Hachem les a... Mais eux aussi, ils ont profité. Ils sont rentrés, c'était déjà ouvert. Ils ont profité d'une dimension qui est au-delà de l'imagination. La preuve que Pharaon, il est resté en vie. C'était pour leur montrer la grandeur de Dieu. Vous prenez ce que je dis et vous dites que Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu. Mais moi, je veux vous montrer dans la conscience de l'être humain qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui était esclave veut la liberté et il ouvre un chemin et les gens le suivent. Vous savez, les gens qui font la Aliyah, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, ils font la Aliyah. Quand quelqu'un fait la Aliyah, il y en a qui suivent. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas où il va aller. Il ne sait pas qui va rencontrer. Il ne sait rien du tout. C'est comme les Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Quand il est en France ou à Londres ou en Belgique, il connaît, il est dans ses diamètres, il est dans le cadre qu'il a l'habitude. Et tout d'un coup, un jour, il se dit, je me lève et je quitte. Vous savez qu'il n'y a presque pas de peuple dans le monde que en étant un peuple, quitte des pays. Ça n'existe pas. C'est seuls les Juifs qui font ça. Quand on a, poursuit les Juifs dans toutes les générations, après que les Juifs sont sortis, il y avait comme l'Égypte. Les pays se sont mis à sèche. L'Espagne, jusqu'à aujourd'hui, 500 ans après, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils disent? Revenez. Le roi de Maroc, les années 90, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Les Juifs d'Israël, c'est le premier pays arabe qui a dit ça. Il avait de la force. Le roi du Maroc, il a compris. Quand on a fait partir les Hébreux, eh ben, il n'y a plus d'économie. Comme en Algérie. Ça ne bouge pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit le roi du Maroc? Il a dit, les Hébreux, revenez au Maroc. Aujourd'hui en Afrique, en Chine, tout le monde appelle les Juifs. Mais c'est bizarre qu'on appelle un peuple. Pourquoi on n'appelle pas des personnes? Un peuple, parce qu'ils savent que c'est un peuple qui l'ouvre des chemins. Nous sommes un peuple qui a... C'est quoi emmener la bracha rabbinique? Emmener la bracha, ça veut dire nous avancer à un nouveau diamètre. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est la nouveauté. C'est... aller en avant, c'est se développer physiquement, spirituellement et sentimentalement. Si quelqu'un, il reste attaché à une lèche, à quelqu'un, quelle est la longueur qui peut partir? 100 mètres. Qu'est-ce que tu vas faire à 100 mètres? Mais quand quelqu'un il est libre, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans un chemin. Il ouvre un chemin à tout le monde. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui l'ont critiqué, ils viennent après lui. Pourquoi? Parce que lui, il a eu la force et l'audace de dire quoi? Moi, je prends la troisième direction.
tout le monde voit seulement deux directions, et ben moi j'en prends une troisième. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu ferme les personnes des fois dans quatre dimensions? Dans quatre directions, c'est fermé. Tu vas au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, fermé. Je dis, c'est pas possible. Où je vais aller? Comment je vais faire? Vous savez, il y a des moments comme ça, on se dit, j'ai plus de quoi payer le loyer, j'ai plus de quoi payer l'électricité. Les issues. Et le lendemain, il se réveille, et par hasard, il connaît quelqu'un qui, par hasard, lui donne un travail, qui, par hasard, est payé double fois plus bien, et que, par hasard, le monsieur lui dit, viens habiter chez moi un peu, et que, par hasard, après 2 ans, il vit. On lui dit, je te rappelle, qu'est-ce que tu as pensé il y a 2 ans? Comment tu allais surmonter ton problème? Aucune idée. Dans la tefila, il y a un paragraphe qui explique ça. On dit, c'est quoi kaptsenu yachat? Regroupe-nous ensemble, mais arba kanfot haaretz, dans des 4 dimensions de la terre. Yachad l'artsenu, c'est quoi yachad? Mais yachad, sache toujours qu'il y a un. Quand tu vois que les 4 dimensions de la terre qu'on connaît, qui est en avant, en arrière, à gauche et à droite, tu vois que c'est fermé dans toutes les directions, et bien sache qu'il y a toujours la direction en haut. Et vous savez c'est quoi yachad? C'est ensemble. Vous savez c'est quoi ensemble? Ensemble c'est yad beyad. La main. Dans la main. Dans la main, koach. Ça donne quoi? Force. Quand on est dans une situation impossible, il y a toujours quelqu'un qui nous donne la main. Toujours. Toujours. Sauf l'orgueil ne donne pas la main. C'est pour ça que quand on voit qu'on a des obstacles dans notre vie qui sont difficiles, c'est pas pour que Akadosh Baruch Hu attend de nous de casser les murs. Ça n'intéresse pas de casser les murs. Parce que tu vas casser un mur, tu vas en trouver un autre. Tu vas casser l'autre, tu vas trouver un autre. Alors toute ta vie, tu vas casser des murs. Bravo, hein. Qu'est-ce qu'il veut? Il te dit, tu vois que le cadre est trop serré pour toi? Oui. Maïm, rentre dans la mer. C'est quoi la mer? La mer. Yam Chochma. C'est écrit. Chochma, c'est quoi Chochma? Chochma, c'est Yud Chochma Keduma. C'est quoi le Yud de la sagesse? Redeviens un petit point. Et hop, change de dimension. C'est pour ça qu'il est écrit chez Yud. Sache que dans l'être le petit minuscule, vous savez, si on fait le rapport entre la grandeur d'un être et la grandeur des étoiles, on n'est même pas dans un chiffre qui a 100 zéros. Mais quand même, on est au-delà des étoiles. La preuve qu'on est réussi à sortir de quoi? De la main des Égyptiens, qui étaient des sorciers les plus grands du monde. Et c'est pour ça que dans cette paracha, Béchalach commence quoi? La délivrance du peuple d'Israël, tout Bishvat, et on commence à faire quoi? À sortir d'une dimension à l'autre. La mer a été percée. Baka, c'est Bikoua, c'est quand on prend une pierre, on donne un coup et tac, elle se fend. Alors Bikoua, c'est fendre. Comment on fait? On devient tout petit. Et on perce. Tac. Pourquoi? Parce que quand tu concentres tes forces à un point, tu deviens très, très fort. Mais quand tu éparpilles tes forces et tu essayes d'être très, très grand, tu deviens très, très faible. Et c'est toujours un conflit qu'une personne a. Est-ce que je dois rester très très concentré et très très fort pour réussir à passer les dimensions? Ou bien dans une des dimensions, je veux m'étaler, acheter, grandir. Et après quand tu es très très grand, t'en as marre, qu'est-ce que tu veux faire? Passer les dimensions. Tu peux avec tout ça passer la dimension? Il faut redevenir tout petit. Alors,
Une des conclusions est rester petit. Petit et fort. Se concentrer, je vais vous dire c'est quoi la mesure la plus petite dans ce monde. C'est un homme et une femme, c'est un. Echad. C'est pour ça. Kabtsenu yachad. Merba kanfot aaretz l'artsenu. Remets-nous ensemble le coup 1. Maintenant, ce 1-là, c'est un point. Il peut passer toutes les dimensions que tu veux. Mais quand on est Berba Kanfot Aaretz, on s'éloigne les uns des autres. C'est bien, on a pris du territoire, on était. Mais on ne se voit plus. Vous savez, il y a une histoire d'une famille que Baruch HaShem, ils étaient très unis, les frères et les sœurs, très très unis avec la maman, tous ensemble, dans un. Et après, ils ont grandi dans une chambre, toute la famille. Le père, la mère et les enfants. Après, il s'est marié. Le père lui a dit, tu sais quoi mon fils? Voilà, je t'achète une maison à 500 mètres. Il va là-bas. Après, un autre s'est marié, il va là-bas. Un autre s'est marié, il va là-bas. Un autre, il va là-bas. Un jour, les parents, qu'est-ce qu'ils se retrouvent? Seuls. Les enfants, ils sont sur toute la montagne, mais eux, ils sont seuls. C'est toujours une question. Est-ce qu'on doit s'élargir ou on doit se concentrer? La réponse est très très simple. Si on sait dans la vie mettre l'intention où il faut, on sera toujours dans le bonheur. C'est quoi l'intention? Me concentrer avec qui? Alors mon Rav, mon Rihaim Zatzal m'a dit qu'au Yémen on disait comme ça. Que le déroulement naturel de la vie, c'est qu'on quitte les parents. Ah oui. Et le déroulement naturel est que nos enfants nous quittent aussi. C'est naturel. S'ils ne vont pas nous quitter, comment eux, ils vont construire leur maison? Mm-hmm. Il dit, qu'est-ce qui reste? Le noyau. Le noyau, c'est qui? Les parents. Les parents. Alors il raconte une histoire qu'au Yémen, il y avait un monsieur très âgé, il avait beaucoup de copains. Pourquoi? C'était le riche du village. Alors tout le monde venait et il buvait avec du café et tout va bien. Mais le soir, chacun retourne. Et il avait une femme, que Dieu en préserve, elle n'avait pas de gens. Et une nuit, il se sentait mal. Yosef, j'en peux plus, j'étouffe. C'était son fils, le Bechor. Il appelle. Il entend. Après, mon copain, il appelle. Et mon frère. Personne, tout le monde dort. Sa femme, elle est sans jambes, elle est tombée par terre du lit. Elle est partie jusqu'à la cuisine. Elle a pris l'eau, elle a emmené et lui a donné à boire. C'est une histoire qui est racontée au Yémen pendant des générations. Pour expliquer quoi? Que tous tes amis ne veulent pas, même une femme sans jambes. Ça, en arabe, ça se dit mieux. Ça veut dire quoi? Que quand on nous dit Kabtsenu Yachad, c'est un moment qu'on sait, on a oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié? D'être ensemble. Et que Dieu nous en préserve, qu'il y a des gens qui vivent dans leur maison, aucun rapport. Lui dans son côté, elle dans l'autre. Elle s'occupe des enfants et des petits-enfants. Lui, il va étudier, je sais pas, va travailler. Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a aucune valeur. C'est pour ça que dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Akadosh Baruch Hu nous envoie des Égyptiens d'un côté, et il nous envoie la mer de l'autre. Et il nous dit maintenant, faites le choix. Le choix est très simple. Kabtsenu yachad me'arba kanfot ha'aretz la'artsenu. Unis-nous. La prière doit être, je veux être uni avec mon mari ou ma femme. Pourquoi? Parce qu'on est la Neshama. Tout le reste, ils sont de passage. Les parents, c'est un passage. Les enfants, c'est un passage. Qu'est-ce qui reste? L'homme et la femme unis. Mais quand l'homme et la femme, ils sont unis, alors ils vont recréer un nouveau cadre. Ils vont recréer une nouvelle sphère. Et dans cette sphère, qu'est-ce qui va se passer, vous savez? Tous ceux qui ont parlé des bêtises sur ce couple-là, ils vont venir après eux dans la sphère. Ils vont rentrer. Pourquoi? Parce que comme les Hébreux, ils sont passés dans la mer et la mer est devenue de la terre, après eux, ils sont venus les Égyptiens.
Si tu les détestes et tu es tellement un sage, Paro, attends derrière, parce qu'ils sont retournés sur le même rivage. Donc ils pouvaient les attendre et les attraper là-bas. Non. Il a dit, ah, ils ont ouvert un nouveau chemin. Eh bien, je vais ici avec, dans le nouveau chemin. Celui qui était ton maître, quand tu as l'audace de Gdusha, quand tu as la force de faire quoi? De dire, non, moi, je ne vais pas mourir comme tout le monde. Je vais changer ma vie. Celui-là, celui qui était ton maître et qui t'a fait peur, devient ton esclave, il a peur de toi. J'ai une question. Non, parce qu'on dit qu'ils ont traversé la mer. Comment ils peuvent revenir sur le même rivage? C'est pas qu'ils ont traversé la mer d'un côté à l'autre. Ils sont pas arrivés à l'autre côté de Sinaï. Il est écrit, Rashi dit qu'ils sont revenus sur le même rivage. Comme une boucle. Pourquoi ils sont revenus? Parce qu'ils ont revu Baal Peor. On voit qu'ils ont revu, encore une fois, le Sitracha. En fait, ils ont fait demi-tour, alors, dans ce cas-là. Non, Rabbanit, ils ont fait... S'ils étaient là, au lieu d'aller ici 10 km, ben, ils ont fait ça. Ils sont passés dans l'eau. Ils ont fait une boucle pour revenir. Ils sont revenus en où? Ils sont revenus au même... Endroit. Endroit, mais pas les mêmes. C'est ça ce qui est beau quand tu changes de sphère. Ils étaient plus forts. Ils sont revenus, ils n'avaient plus les Égyptiens après eux. Ils ont, il est écrit qu'ils sont partis sur le sable pour récupérer toute la richesse. Ils ont fait Bizatayam, c'était la deuxième Biza qu'ils ont fait. Et ils sont revenus, quoi? Libres, parce qu'ils ont vu que ceux qui leur possédaient ne peuvent pas résister, quoi? Le changement, l'évaluation. C'est pour ça que c'est une grande question, qui est très difficile, je sais, à beaucoup de gens, tous les jours. Est-ce que je dois évoluer au nouveau diamètre? Est-ce que je dois me permettre de vivre quelque chose de neuf? Ou bien, je dois m'enterrer dans l'ancien et être un esclave? C'est une grande, grande, grande question. Et on voit que la génération, toujours la jeune génération, ça fait déjà au moins 100 ans, qui se révolte, ils tapent des pieds. Pourquoi ils tapent des pieds? Pourquoi tu te révoltes? Parce qu'ils veulent nous prendre dans une nouvelle sphère, dans une nouvelle, une nouvelle connaissance, dans un nouveau comportement. Il y a des gens qui viennent, j'ai eu un couple qui est venu me voir, ils sont des Français à l'ancienne. Ils ont voulu élever leurs enfants en Israël. Je leur dis, oui, mais en Israël, la vie qu'on étudie dans les écoles, c'est pas ce que vous avez étudié, l'éducation de la France. C'est pas la même chose. Et si vous n'allez pas lécher le morceau, il va s'arracher de votre corps. Ils sont venus pleurer à mort. Vous savez pourquoi? Une fille ne leur parle pas. Un garçon ne leur parle pas. Et ils en ont à la maison, que Dieu nous en préserve, une salade en dire. Qu'est-ce qu'il a? Une salade, il a donné une gifle à sa mère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les enfants ont ouvert le cadre. Eux, ils n'ont pas accepté d'ouvrir le cadre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants et le cadre se détruisent. Et maintenant, ils sont venus poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec le fils qui a donné une gifle à sa mère? Je dis, ce n'est pas le fils qui a donné la gifle. C'est vous qui vous êtes donné tout seul la gifle. Combien de temps vos enfants vous expliquent qu'en Israël, on ne peut pas éduquer à la française, punir les enfants, les frapper? On ne peut pas, ça ne marche pas en Israël. Il y a la police, il y a le truc, la revacha, ça ne marche pas. En Israël, la violence n'existe pas. Point à la ligne. Les punitions qu'on donne dans la violence, dans la famille, sont très très graves. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'il n'y a plus de violence, c'est fini. Ils vont tuer la violence. Et Baruch HaShem, vous voyez les immeubles, on n'entend pas des cris. C'est vrai. Même dans la rue, les mamans israéliennes ne s'énervent jamais. Ben, pourquoi? Si on entend crier, c'est des... Parce que tout est filmé. Oui. Et Baruch HaShem, si une maman a écrit son fils ou sa fille, hop, la police elle arrive, elle ne sait pas d'où elle arrive. Donnez-moi les enfants, il les emmène dans l'enquête, et dans l'enquête, il y a une chantilly comme ça poupée. Alors, mon petit bébé,
Tu as été maltraité, hein? Oui, oui, oui. Je connais, oui, il veut sa mère. Oui, oui. Et ils mettent. Ils mettent psychologue ici. L'enfant a pleuré, qu'il est maltraité. Il a pleuré, qu'il... Et lui, le pauvre, il pleure, maman, maman, maman. Il s'en fout. Pourquoi c'est arrivé à cette extrémité? Parce que le cadre d'avant n'existe plus. La violence n'est plus permise. Maintenant, je vous pose une question. C'est bien ou c'est mauvais? Ça dépend. Ça dépend des cas, ça dépend. Je vais vous raconter une chose. Vous savez que les neurones sont... On peut mesurer, hein, les neurones. Et ils disent qu'ils ont déjà la technologie de mettre, d'afficher l'image qu'on crée dans notre pensée. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est affreux. Quoi? Ils vont afficher nos pensées. C'est Khadira Laprat, comment on dit? Ils rentrent dans notre intimité. Qu'est-ce que c'est ça? La tête et la vie privée. Mais vous savez que les enfants qui vont grandir avec, ça. Avec cette technologie, ils vont être plus émettre ou plus menteurs? Émettre. Ils n'ont pas de choix. Non. Parce que là, ils vont, leurs pensées vont être affichées. La maman va lui dire, dis-moi où tu étais aujourd'hui. C'est terrible. S'il va mentir, elle va lui dire, ah, c'est bien c'est mon fils. D'accord? Alors on va avoir une génération entière qui va avoir l'habitude de ne pas mentir. Est-ce que c'est pas beau ça? Que la technologie, c'est honteux, que la technologie doit nous éduquer à ne plus mentir. On y est déjà. La technologie est déjà dans l'espionnage, dans le monde de l'espionnage. Ils n'ont plus besoin de faire du mal à personne. Ils n'ont plus besoin de faire du mal à personne. Ils mettent la personne sur une chaise, il lui met des électrodes sur toute la tête. Il lui pose des questions, les réponses, il s'en fout des réponses. Il pose la question, ça imprime. Alors la personne, regardez qu'est-ce qui se passe. On a perdu nos midot, mais comme on est un monde de tikkun la midot, la technologie que nous on a créée, elle nous fait retrouver nos midot. Alors moi, je me pose une question bête. Travaille tes midot. Et tu peux avoir à côté de toi la technologie 8, 10, 12, 14, 20, combien tu veux. Tu es libre. Et ça, c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. De créer dans le monde un peuple libre. Chofshi. Chofshi mima. En pachad, il n'y a pas de peur. Des contraintes. Il n'y a pas de crainte. Notre bouche, notre cœur, notre pensée, tous alignés. On est propre en avant, on est propre en arrière. Et vous savez qu'avant, dans le temps, les gens comptaient seulement sur le juif pour donner l'argent, pour donner des chèques, pour donner des contrats. Seul le juif, pourquoi? Parce qu'ils savaient que la Torah du juif l'oblige d'être un homme. Intègre, droit. Chofshi, un homme libre. Comment libre? Que sa pensée, sa parole, ses actions, ses sentiments sont les mêmes. Pas parce qu'on va le punir, parce qu'on n'a pas encore entendu l'armée contre le juif, ça n'existe pas. Ça veut dire que nous, de façon libre, on choisit d'être quoi? Correct. Et maintenant tu peux mettre à côté de moi toutes les technologies que tu veux, je les embrasse, tout va bien. Et ça, c'est l'enseignement de Pharaon. L'enseignement de l'obscurité, c'est quoi? Obliger la lumière d'apparaître.